Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo en mode posé. Dans la vie, il ne faut pas toujours réfléchir non plus. Bien qu'une préparation soit quelque chose qui peut être un printemps, puisque tous les jours, on est dans une préparation pour quelque chose qui peut arriver et qui peut être tout simplement. Jour au lendemain, et du coup se dire quand on dit, bon ben, je fais les courses, je fais pas de réserve. Alors oui, non, alors des fois il faut un peu prendre du recul aussi, je pense, par rapport à ça. Faut pas tomber dans la paranoïa du survivalisme, voilà. Donc, en plus qu'aujourd'hui il y a un vrai marketing par rapport au survivalisme, donc il faut pas tomber dans la paranoïa, pardon, et donc se poser, prendre le temps, réfléchir aussi à différentes choses et prendre du recul, surtout par rapport à notre situation, par rapport à ce qu'on lit comme livre, par rapport à ce qu'on peut regarder comme chaîne ou documentaire ou film, vous nous apportez diverses visions de la chose. Juste un film, bien que ce soit une fiction, il y a un très bon film que j'adore, c'est La Route, avec Viggo Mortensen. Je ferai une vidéo sûrement sur son sujet, où l'ambiance du film est vraiment très chaotique et vraiment. C'est le film qui est par excellence vraiment très morbide, voilà. Arrivé là, on y arrivera un jour, mais pas à ce niveau là enfin voilà, ça il faudra avoir son moment. Ensuite, moi-même je me fais bouffer par les fourmis, donc ouais, paranoïa excessif, voilà. Quand même savoir prendre du plaisir, regarder un petit peu ce paysage. Je vous spoil un peu un épisode, mais c'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour regarder moi ces nuages, regardez moi ce truc là. Alors à travers les yeux ça passe quand même une fois mieux, mais on a la chance aujourd'hui quand même un petit peu d'avoir cette technologie qui nous permet de filmer, pouvoir faire des vidéos, montrer à des gens ce qu'on sent, ce qu'on pense, notre opinion. Parfois la technologie c'est pas si mal, mais on conformise à un confort facile. Mais c'est ça, et sortir de ça aujourd'hui ça va être balèze. Puisque j'ai vu une pub où avec le téléphone, bon ça fait un petit moment que ça existe, mais là ça a l'air d'être au point. Un système qui peut allumer la lumière via le téléphone à distance, les volets, la lumière, la vaisselle, enfin ces choses-là. Et moi ce qui me rend fou, c'est que aujourd'hui, je pense que la plupart des gens qui peuvent acheter ça ou qui peuvent se permettre, c'est la plupart du temps c'est les personnes qui ont vécu le monde sans internet, et ils ont vécu sans internet et ils se comportaient très bien, ils savaient jouer, ils savaient faire des réserves. Pour eux c'était pas du survivalisme, du normal, c'était voilà. Et aujourd'hui ça c'est, en fait je comprends pas, et pourtant je suis, voilà, je suis né, on va dire, voilà, bon, c'est vrai, il y a premier ordinateur, moi c'est en 2006, et c'est vrai que Facebook, je l'ai eu qu'en 2010, oui j'ai un Facebook, mais je vais essayer de me faire bannir, c'est plus amusant, bien qu'aujourd'hui, il n'en faut pas grand chose pour se faire bannir. YouTube ou même le Facebook, voilà. Mais ouais, je m'écarte de nouveau du sujet de base, mais en gros
Bah, l'idée, c'est de prendre du recul par rapport à soi, à sa situation, et bien savoir mettre en place aussi en pratique des choses. Après, je ne dis pas que j'ai forcément raison sur tout. Je dis, j'ai mon point de vue qui parfois peut être extrême, notamment sur la religion. Ça, c'est un truc. Je peux pas me faire changer d'avis. Sur la religion, hein, on ne peut pas. Tu ne pourras pas me faire changer d'avis parce que pour moi, voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme la couleur, enfin, la couleur rouge, c'est une couleur rouge, point barre, on n'en parle plus, c'est ça, et voilà, il n'y a pas à revenir dessus. Mais voilà, j'ai des opinions, j'ai ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Elles sont pas toujours en accord avec tout le monde. Ça, c'est aussi bien qu'il n'y a pas tout le monde qui pense pareil, sinon ce serait pas intéressant. Mais qu'on arrive au moins un petit peu à quand même, voilà. Moi, je vous laisse, les amis, parce que j'ai nouveau fait trop long. Et je vous quitte sur ces belles images. Voilà. Allez, dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a qu'une solution. Ciao, les amis.